Le chantier que je prends tous les matins est pour moi la synthèse de tous les chantiers que j'ai foulés au long de ma vie. Par n'importe quel temps, que le sentier soit sec ou mouillé, la vue de ce sentier, le fait de le fouler, me met en relation directe avec ce que je dois faire. Et j'ai ce passage tout à côté d'un châtaignier centenaire qui est, de par la lumière, perpétuellement changeant dans l'ascension de ses failles, si je puis dire, et dans le mouvement de ses écorces, je trouve matière à me rassembler. Je ne ressens pas, au fond de moi, de difficultés particulières dans la prise en charge d'une chose engagée. Mais là où naît la plus grande tension, c'est faire ce lieu singulier, cet éclairement dernier singulier, qui est le point par où tout se tient, c'est le point d'ouverture. Ce dernier point qui conditionne, mettons, l'œuvre, si je puis dire. Cet accent mis, pour lequel tout le reste a été engagé, qui révèle tous les parcours et qui révèle tout le reste. Ce point est de temps et de lieu singulier. L'instant est ce lieu singulier. C'est vers cela que doit tendre la toile. Et c'est ce lieu singulier que cherchait Corot aussi dans ses paysages.
il y a pour moi nécessité de laisser les choses s'établir, et puis ça me permet de prendre d'autres toiles, d'avoir celle-là sous les yeux, et ces toiles étant laissées, si je puis dire, en jachère, il se peut que là où je n'avais rien vu, il se peut tout d'un coup que je vois des choses que j'avais mises mais que je ne percevais pas. J'analyse pas, je ne cherche pas ni le pourquoi ni le comment, mais comme je travaille très vite, il faut aussi que j'entreprenne dans le recommencement de ce que je perçois comme sans fin. Vous voyez toutes ces toiles qui sont là, elles sont en attente depuis quelque temps déjà. Mais c'est une attente, si je puis dire, bénéfique. De par le temps même, comme toutes celles qui sont là, elles prennent une autre dimension. Elles s'équilibrent et il s'établit comme un appel vers moi. Mais je ne vais vers elles que selon mon humeur et aussi, je puis dire, là, selon leurs propres humeurs. Parce que là, on peut vraiment parler d'humeur. D'humeur, on les sent exsuder ou aller, venir selon les degrés d'insolation. Ainsi, celle-ci, qui s'est beaucoup transformé, qui encore n'est pas mat. Là, par exemple, elle manque, si je puis dire, de ciel, sous l'espèce d'un blanc froid. Mais elle peut attendre encore. Il y a des choses qui, lorsque je les ai faites, pouvaient me sembler des impatiences et des choses désordonnées qui, du temps passé, deviennent des choses, je puis dire, importantes. Je ne suis pas quelqu'un qui touche les choses tellement qui, à part dans certaines occasions, bien sûr comme chacun, mais pour ce qui est de la peinture, je n'ai pas besoin d'aller vers les choses, de les toucher, pour la bonne raison que, en touchant, mon regard serait conditionné par autre chose, donc il y aurait là quelque chose qui clocherait. D'une façon abrupte, je pourrais dire, le regard me suffit. Il faut dire que la lumière est très bénéfique aujourd'hui, mais enfin, elles sont là depuis mai, juin, 3 mois. Ce sont des petites choses que j'ai entreprises en souvenir de la Drôme. Et qui me servent de test, et qui en elles-mêmes peuvent être des petites toiles, disons. Il y a des vases, il y a des terres, il y a des abrupts.
de ces roches noires qu'il y a. Qui forment délités, qui se délitent et qui forment certains versants, petits versants et certains abrupts de la Drôme elle-même. Enfin, oui, du territoire de la Drôme. Je ne puis concevoir de tracer un trait et même manier la couleur, donc de la fabriquer, sans qu'au préalable, je ne fus au contact du monde des champs, du ciel, de la terre, des eaux et des pierres, des abrupts et des grands horizons. Et même des petits. J'ai beaucoup marché dans toutes les campagnes, qu'elles soient montueuses ou dans les plaines, en Bourgogne, dans le Midi. Je faisais de longues courses de parfois jusqu'à 40 km dans la journée, m'arrêtant de temps en temps pour dessiner. Mais j'avais une curieuse façon de marcher. C'était entre la course et le pas, sur les jambes presque fléchies, comme ça j'avançais très très rapidement. Et évidemment, cela est fini depuis quelque temps. Dessin, c'est incisif, toutes ces choses-là qui changent. Ponctuation, une ligne, enfin, c'est trop fragile. Autrement, les hirondelles font leur nid là-dedans. Ah, vous voyez, oui, elles font des trous. Mais là, elles se risquent pas à cela. Là. Il y a une fragilité extraordinaire, elles risquent de se faire emporter. Définir mes rapports avec la nature pour la bonne raison que je suis en plein dedans.
pour moi, ce qui est essentiel, c'est de donner le primordial de l'instant du regard reçu. Enfin, ce qui est déterminant dans la première éruption de la lumière. Cette première direction est pour moi essentiellement profonde, et à ce point qu'elle détermine comme une espèce de vertige, que ce soit vers le haut, vers la droite, vers la gauche, mais ce sont ces phénomènes de vertige qui sont de prime lecture et essentiels. Des choses comme ça qui sont désaccordées, dans une demi-heure, tout ça va être accordé. Des choses remontent. Mais l'essentiel, c'est ça. Oui. Du point, les accents. Ils sont jamais. Ils restent à leur place, oui, je repasse par-dessus. Ils sont à leur place, dans une pointe ou autre chose, oui. Ils viennent, mais autrement. Oui. C'est ce qui conditionne la lumière sur une surface. Il n'y aurait pas absorption de lumière, il y aurait. Une réflexion serait insupportable. Au fond, la lumière est à base de tout.
peut-être qu'au-delà de la lumière, il y a autre chose encore en plus. Mais enfin, restons-en à la lumière. Ce que j'ai cherché, que je cherche, et que je, certainement que je chercherai. Enfin, ce que je tente d'approcher, c'est à rejoindre un état de liberté et d'allègement qui implique d'énormes contraintes.